pied. Ballon récupéré par les brévistes avec Figueroa. Qui s'en sort bien, qui s'en sort bien, il faut taper la touche. Alors que les esprits s'échauffent à nouveau. Alors, l'arbitre les touche. Ouais, alors il faut se passer à 10 mètres du ballon. Je pense qu'il va y avoir des cartons jaunes. Il y a une belle série là. Ouais, je vais venir, attends. Alors, il a dû y avoir un joueur tenu son ballon. Et derrière. Reculez d'un pas, monsieur. Reculez d'un pas, monsieur. C'est parti. Il y a de la boxe sur le canal. Mais ce sera ce soir, on en reparlera à la mi-temps. Romain. Julien Caminati est au sol. Mal au coude. Alors 6 blancs et 14 noirs. Et après, il y a un échange de coups de poing entre les deux joueurs. Ouais, il y a des coups de poing. C'est ce que j'ai vu. Je ne vois pas qui est à l'origine. Hein. Tu ne vois pas l'origine. D'accord. On va attendre que ça se soigne, là. Je vais le faire en relevé. Ça marche. Guillaume Bernard. J'ai vu, le reste, avec les coups de poing. Le collimateur de M. Péchon. Voilà, je vais prendre ma décision. Merci, Coupé. Donc, il y a un accrochage entre votre 6 et votre 14. On ne voit pas l'origine. Par contre, après, on a vu des coups de poing de part et d'autre. Donc, tous les deux. Ils vont aller souffler. Se calmer. 14, numéro 6. D'accord ? S'il vous plaît. Hein ? Okay. Et les deux équipes qui vont se retrouver en infériorité, pas une infériorité numérique du tout, à 14 contre 14. Noir en possession du ballon, à l'instant où j'ai arrêté le jeu. Ouais, les maths, ça noir en possession du ballon quand j'ai arrêté le jeu. Guillaume Bernard et Julien Caminati. Pas de faute, noir ! Mathieu, pas de faute ! Les brévistes qui vont se déplacer à 3 reprises lors des 5 dernières journées sur le terrain du Racing et de Toulouse, puis de Clermont lors de la dernière journée. Attention au démarrage de O'Connor là, qui a trébuché, qui s'est relevé, qui a conservé le ballon. Allez, peut-être de quoi s'enflammer là pour le public de Jean Daugier, avec Philips pour Boyer. Boyer avec Roumieux, Roumieux pour laisser peut-être de Douanière. Non, il est repris à 3 mètres de la ligne. Ça chauffe pour la défense briviste. Philips qui écarte ce ballon. Mazars qui revient. Qui devait donner. Il y avait du monde extérieur. Alors c'est vrai qu'il y avait une position d'hors-jeu, certainement. Des brivistes. Avantage en cours et pénalité. Il y avait 4 contre personne. Hein. S'il la lâche au bout. L'avantage. Alors c'est vrai que sa première numéro 14. La passe, il l'a dans le dos, il se retourne. Là, je pense qu'il va y avoir carton jaune. Capitaine, venez voir ici. Venez voir ici. Venez voir ici. Venez voir ici. Numéro 14. Venez voir ici. Capitaine. J'ai un avantage sur le numéro 3 hors jeu. Je laisse l'avantage à 2 mètres de la ligne sur du jeu dynamique. Le 14 retient le ballon. Carton jaune. C'est le deuxième. C'est le deuxième. C'est le deuxième carton. Carton rouge pour Julien Caminati. C'est peut-être un des tournants de cette rencontre. Brive qui va se retrouver à 14 jusqu'à la fin du match. Et oui, Caminati fautif. Faute à répétition. Une faute vous resterez derrière les poteaux, monsieur. Ouais, même si Hugo Mola sourit.